Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Revue d'Afrique Conakry. Le riz denrée alimentaire la plus consommée en Guinée pourrait connaître un enrichissement sur le marché alors que les citoyens se plaignent depuis plusieurs mois de l'inflation. Toutes les spécialistes s'accordent sur cette sombre perspective. Piqués au vif, les autorités de la transition tentent de prendre les devants pour minimiser l'impact. Explication. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rapporte que l'indice des prix de tous les types de riz a grimpé de 2,8% en un mois et de 9,7% en un an. Cette hausse a atteint son plus haut niveau nominal depuis septembre 2021. Une situation qui s'explique par l'interdiction de l'exportation indienne des riz. Selon cette agence onusienne, la décision de l'Inde d'interdire l'exportation de cette céréale avait un impact sur la sécurité alimentaire en Guinée. Comme le témoignent les chiffres indiqués si haut, cette mesure prise le 20 juillet dernier commence à se ressentir sur le coût du riz, denrée la plus consommée dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Malgré la fertilité de son sol avec près de 10 millions d'hectares de terres arables, la Guinée dépend fortement du riz importé dans les pays asiatiques, notamment l'Inde, premier exportateur mondial de cette céréale. En quête de solutions,